y a deux Tunisiens. Il y a un Tunisien, il est à Paris. Ouais. Et il envoie des lettres tout le temps à son cousin. Il lui fait, viens, viens à Paris. Voilà, à Paris, tu peux pas savoir les femmes. On nique. Viens à Paris, tu peux pas savoir la vie qu'on a, c'est une merveille. Viens à Paris. Viens, l'autre, à la fin, il en a marre. Il prend son costume, il prend son couffin, il met les dattes, les noix, il prend ses tongs, hop, il monte à Paris. Et il arrive. Et son cousin, il a fait Boulevard Saint-Michel. Il y a plein de filles. Boulevard Saint-Michel. Il va. Il arrive Boulevard Saint-Michel. Je veux niquer. Il crie dans la rue. Je veux niquer. Et il n'y a personne. Son cousin, il ne le trouve pas. Il n'y a personne. Il va voir un type dans les filles. Je ne comprends pas. Il m'a dit on nique ici à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien. Il n'y a pas de filles. Il n'y a rien. Moi, je veux niquer. Je suis venu pour niquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le type, il fait écoutez, monsieur, là, vous savez. C'est Noël. Alors, tout le monde est à la neige. Donc, si vous voulez, comme vous dites, copuler, ou elchno est copuler, il faut aller à la montagne, à Megève. Ah, et Megève. Oui, je vais à Megève. À Megève, ni je n'y qu'à Megève. Oui. À Megève. Ah, Megève, vous avez une chance, peut-être. C'est pas sûr, mais vous avez une petite chance. Ah, et en avant. Oui, le train. Il monte dans le train. Je vais niquer à Megève. Il arrive à Megève. Il est dans les rues de Megève. Il marche. Je vais niquer. Et au bout d'une heure, deux heures, la nuit tombe. Il commence à avoir froid. Il fait, bon, je veux niquer, mais j'ai froid. Alors, il rentre dans les hôtels, le premier hôtel. Et bonjour, voilà, je veux niquer, mais d'abord, voilà, une petite chambre. Il fait, ah, monsieur, c'est complet. Allez là-bas au Mont d'Arbois, c'est le plus grand hôtel de Megève, peut-être vous avez... Il arrive au Mont d'Arbois, grand hôtel, et ça. Il fait, bonjour, voilà, je suis un peu fatigué, j'ai un peu froid, même si je nique pas, c'est pas très grave, mais j'ai froid, je veux dormir. Le type, il fait, écoutez, je suis désolé, cher ami, mais nous n'avons pas de chambre, nous sommes complets. À ce moment-là, passe Madame la Comtesse de Ribambelle, qui fait au concierge, mais Fernand... Que se passe-t-il? Il dit, écoutez, ce jeune homme-là est très, très embêté. Oui, je suis très embêté, voilà, j'ai froid, même un placard. Je reste comme ça, je dors dans le placard, avec le balai. Je nique le balai, c'est tout. Fait, écoutez, nous n'avons pas de chance, je ne sais pas quoi. Elle fait, écoutez, et c'est purement humanitaire, hein, vraiment, qu'il n'y ait pas de doute, montez-le dans ma suite. Ah, d'accord, la suite, c'est quoi la suite? Il arrive dans la suite. Avec la femme, et elle fait, mais vous allez lui mettre un petit lit de camp, ça va être très bien. Il fait, well, d'accord, lit de camp, d'accord. Et il se met sur le lit de camp, elle lui donne une couverture, ça comme. Et lui, il prend la couverture. Voilà, elle est petite, la couverture. Ouais. Ça fait froid, je n'ai pas l'habitude, c'est la neige, je déteste ça. Elle dit, écoutez, c'est purement humanitaire, venez dans mon lit. Hein? Et vraiment, ne pensez pas à la mauvaise chose. Hein? Vraiment, moi, je pense pas. J'ai pas le cerveau. Voilà, il est fatigué, il veut rien. Je veux dormir. Voilà, c'est tout. Je dors dans mon coin. Voilà. Elle lui fait. Écoutez, d'ailleurs, nous allons faire une chose très simple. Nous allons mettre les skis entre nous. Et comme ça, il ne pourra rien se passer. Bien sûr, mais les skis, l'armoire, voilà ce que tu veux. Je m'en fous, voilà. Du moment où moi je dors, même plus que c'est niqué. Et il se met au lit. Et à ce moment-là, dans sa tête, ça grouille quand même. Il fait, putain, la comtesse de Ribambelle. Je suis juste à côté, dans le Mont d'Arbois, voilà, je suis venu pour niquer, et je nique pas. Elle est là, à côté, juste à côté. Je m'en fous, je glisse une patte. Il glisse une patte sous les skis. Ah, elle dit rien, en avant. Je glisse la jambe. Hop, elle dit rien. Je glisse les deuxièmes pattes. Les deuxièmes jambes, elle dit rien. Je monte sur elle. Ah, en avant. Je dis rien, je suis incognito. Et je commence à niquer, je nique.
Et la comtesse de Ribombelle, elle fait ah, c'est exquis, c'est exquis, c'est exquis. Au bout d'un moment, il fait je toi, c'est exquis, c'est mon seul.